que ma personne soit effacée et que toi tu sois vu. Seigneur, viens nous parler. Viens te révéler à nous. Je ne sais pas parler, mais toi seul as les mots justes. Mon Dieu, mon roi, en toi je me confie. Renouvelle mes forces. Merci d'apporter ton esprit sur cette parole. Éternel, la Bible déclare que ta parole est esprit et vie. Ta parole se meut. Ta parole bouge. Ta parole produit des effets. Que cette parole apporte l'impact. Éternel, mon Dieu, positif sur la vie de tout un chacun. Afin que chacun de nous rentre dans l'accomplissement de ces miracles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Dit Amen. Oui, rapidement. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dis à ton voisin, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur. Allons-y. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Allons rapidement. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda. Et de Jérusalem. Dans la maison de l'Éternel. Dans le nouveau parvis. Et il dit. Éternel. Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours? Allons au verset 12 rapidement. Ô notre Dieu. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. Devant cette multitude. Dis à ton voisin, car nous sommes sans force. Non, tous quelqu'un dit, car nous sommes sans force. Il dit devant quoi? Devant cette multitude nombreuse. Mais comment on peut dire multitude et puis nombreuse? Allons-y. Qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur qui? Alléluia. Allons-y. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Avec leurs petits-enfants. Leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jeiel, fils de Matiana, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi. Roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce sera Dieu. Demain. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. En face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Descends au verset 18 rapidement. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Écoutez-moi. Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Puis. D'accord avec le peuple. Il nomma des chants. Qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Célébraient l'Éternel. Et disaient. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde. Dure à toujours. Au moment où l'on commençait. Les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade. Contre les fils d'Ammon. Et de Moab. Et ceux de la montagne de Seir. Qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans notre première édition de Célébrons l'Éternel. Écoute-moi bien. Je bénis Dieu parce que cette édition a été intitulée Célébrons qui l'Éternel. Donc je vais comprendre par là que nous ne sommes pas rassemblés parce qu'un homme nous a convoqués. Nous ne sommes pas rassemblés au Seigneur parce qu'un homme nous a convoqués. Mais nous sommes rassemblés au Seigneur parce que l'Éternel nous a convoqués. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas un homme que tu es en train de célébrer, mais c'est le Dieu au-dessus de toutes choses qui célèbre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce soir? Écoutez-moi très bien. Voici une histoire. Très accablante. Un roi qui est troublé. Un roi qui est accablé par plusieurs situations. Un roi qui régnait sur son royaume. Un roi qui était bien assis. La Bible déclare qu'un jour va arriver où les fils de Moab vont se lever contre Josaphat. Ils vont se lever contre lui. Ils vont s'ériger en force. Ils vont s'ériger en groupe de personnes. Ils vont venir contre eux. Contre Josaphat. Et la Bible déclare. Lorsque Josaphat les a vus, la Bible dit qu'il fut effrayé. Il fut dans la frayeur. Il n'avait pas de force. Il n'avait rien pour se défendre. Et la Bible déclare que vous poursuivez le passage. La Bible dit Éternel, regarde-nous. Nous sommes sans force. Mais regarde l'armée en face de nous. Ils sont forts. Ils sont nombreux. Mais nous n'avons pas de force. Mais je me réjouis. Jonathan pouvait dire, mais nous avons nos yeux fixés sur toi. Nous avons nos yeux fixés sur toi. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, peut-être qu'il y a un trouble autour de toi. Les gens se lèvent contre toi. Les gens sont jaloux de toi. Mais aie les yeux fixés sur l'Éternel. Écoutez-moi bien. La Bible déclare, il n'y avait ni force, mais les yeux était fixé sur Dieu. La Bible nous enseigne ce sens. Quand vous tournez vos regards vers l'Éternel, votre visage n'est point couvert de honte. Dieu ne permettra pas que la honte parvienne à vous. Je vais vous dire ce sens. Les hommes ont planifié. Ils ont fait le programme. Mais ils oublient une seule chose. La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu vois tes ennemis, ils sont nombreux que toi. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Le Dieu avec qui tu marches, il est plus puissant que les sorciers de ta famille. Il est plus puissant que ceux qui t'attaquent. Il est plus puissant que l'armée qui t'entoure. Écoute-moi très bien. Tu es seul. Tu penses qu'il n'y a personne pour te secourir. Mais aie les yeux rivés sur l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Is anybody hearing me? La Bible nous dit. The Bible says. Il était là.
He was there. Il était troublé. He was disturbed. Mais il a fait les yeux sur l'Éternel. But he set his eyes upon Mais the Lord. La Bible nous dit, the Bible says, il va aller consulter Dieu. He went to consult God. Et quand il allait consulter Dieu, when he went to consult God, la Bible nous dit the Bible says, que l'Esprit de l'Éternel the Spirit of the Lord est descendu sur Jacques à ciel. Came upon et il a commencé à prophétiser. He began to prophesy. Il dit, n'ayez pas peur. Se fier not. Ne tremblez point. Fier not. N'ayez pas peur. Se fier not. Parce que ce combat, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Peut-être que tu as peur. Maybe tu te demandes si ta situation peut changer. Situation mais ce n'est pas à toi d'avoir peur. Il y a l'Éternel avec toi. C'est lui seul qui réalisera tes projets. La Bible nous enseigne ce chose. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis sous ses pieds. Tu me donnes un amen et bien. Je vois Dieu écraser tes ennemis ce soir. Au nom de Jésus. Il avait les yeux sur l'Éternel. They set their eyes upon the Lord. Le prophète prophétise. Le professeur, il dit n'aie pas peur. Se fier not. Ne tremble pas. Fier not. Écoutez. Listen. Peut-être que c'est les chars que tu vois devant toi. Ce sont you. Les chars que tu vois devant toi. Mais je vais vous dire une seule chose. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent détruire la chair. Mais ayez plutôt peur de celui qui peut tuer l'âme. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Parce que je sais une seule chose. La vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. J'ai la capacité de décider de vivre ou de mourir. Bien aimé. Je vais simplement te dire ce chose. Sors de ta frayeur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te troubler. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te tourmenter. Ce sont les papiers administratifs. N'aie pas peur. L'Éternel lui-même opérera le miracle pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te tourmenter. Peut-être que c'est le logement que tu attends. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. N'aie pas peur. Même si les gens te rejettent, n'aie pas peur. Si les gens ne croient pas en toi, n'aie pas peur. Dieu lui croit en toi. Si les gens te négligent, n'aie pas peur. Écoute-moi très bien. Je suis dans la joie. Je suis heureux ce soir. Je suis content. Parce que le Dieu que j'adore, il est bel et bien vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Pourquoi tu dois avoir peur? Je n'ai pas peur. Les hommes peuvent faire les calculs. Les hommes peuvent avoir tous les résultats qu'ils veulent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le calcul des hommes est différent du calcul de Dieu. Je vais vous démontrer comment Dieu calcule. Quand nous les hommes, nous voulons compter, nous commençons à compter par un. Or Dieu ne commence pas à compter par un, mais il commence par compter par zéro. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Il commence par compter par zéro. Écoute-moi très bien. Zéro est un chiffre. Par le moment qui fait mal. Même à l'école. Quand tu composes. Et quand on te donne un résultat zéro. Ça te fait mal plus que le 1 qu'on te donne. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ce que je suis en train de dire? You understand what I'm saying? Je veux dire à quelqu'un ce soir. I want to tell you. Dieu commence par compter par zéro. Pas ça par zéro. Mais je veux te dire une seule chose. I want to tell you. Des zéros que tu es, from zero, tu finiras par devenir un héros de ta génération. Tu finiras par devenir un héros de ta génération. Tu finiras par devenir. Oh! Est-ce que quelqu'un peut me donner la main de bien? J'annonce le héros en toi. I say you are hero from your generation. Yotso parakatala. Rababashetirebi. Oh, alléluia. Say amen. Alléluia. Amen. Il dit, ils sont plus nombreux que nous. They are more than us. Ils sont plus nombreux que nous. They are more than us. La Bible déclare. The Bible declares. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Écoute-moi bien. Ta destinée se cache entre les mains du Seigneur. Écoute-moi bien. Ton élévation est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Pourquoi pleures-tu? Laisse Dieu être le gardien de ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le te conduire. Écoute-moi bien. Je vais te dire ce chose. La Bible déclare. Ils viendront par un seul chemin. Mais ils s'enfuiront par sept chemins. Je prophétise ce soir, les ennemis vont s'enfuir par cette chemin au nom de Jésus.
Je connais quelqu'un. I know somebody. Qui était premier ministre, qui est devenu premier ministre. Il a prime minister. Du nom de Tony Blair. Et quand Tony Blair? Tony Blair. Tony Blair. À l'école, à tous les professeurs l'appelaient échec. Parce que tout ce qu'il faisait à l'école échouait. Mais cela n'a pas empêché le bras de Dieu d'agir dans sa vie. C'est vrai qu'il était un échec devant ses professeurs. Mais devant Dieu, il est devenu premier ministre. Je veux te dire quelque chose. Même si les gens t'attribuent des noms, peut-être que tu n'as rien aujourd'hui. Mais devant les yeux de l'Éternel, tu deviendras quelqu'un demain. Tu deviendras quelqu'un de meilleur demain. Tu me donnes la main de pierre. Et je vais aggraver les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Is anybody hearing me? Il n'y avait personne pour les aider. Nobody to help. Il était troublé. Well, disturbed. Mais la Bible déclare. But the Bible declare. Il allait consulter l'Éternel. When you consult the Lord. Et quand il a consulté Dieu. When you consulted the Lord. Dieu lui a donné une réponse. God gave him an answer. Je vais vous dire ce soir. I want to tell you. Avant de vous engager dans le combat de la vie. Before you engage the fight. Il vous faut d'abord. You have consulter Dieu. Consult the Lord. Il vous faut d'abord entendre la voix de Dieu. You have to hear the voice of the Lord. Il vous faut d'abord vous laisser diriger par Dieu. C'est Dieu seul qui a planifié toutes ces choses. La Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Je vais vous dire ce soir. Peut-être que cela résonne mal dans votre oreille. La Bible dit il est le maître de quoi? Temps. C'est le maître qui a la capacité de diriger les temps. Et il est le maître de quoi? Des circonstances. Cela veut dire quoi? Il a la capacité de calmer la tempête dans ta vie. Il a la capacité de calmer tout problème dans ta vie. Toute difficulté dans ta vie. Parce que c'est lui le maître. C'est lui qui doit diriger ta vie. Tu me donnes la main de pierre. Je vois le bras de Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen et bien. Say amen well. Donne-moi un amen et bien. Say amen well. Donne-moi un amen et bien. Say amen well. Lobo satarababa. Say amen well. Shetarababa. Say amen well. Je remarque quelque chose. I notice one thing. Le diable n'est jamais fatigué de nous attaquer. The devil is not even tired. Qui dit un amen bien parce que je vais aggraver les choses. Say I'll go devil. Dans le plan de diable. In the plan of the devil. Lorsqu'il conduisait Jésus à la croix. C'était la fin de Jésus à la croix. Mais dans le plan de Dieu, c'était la fin du diable et le commencement de Dieu. Tu me donnes la main de pierre, j'aggrave les choses. Écoute-moi bien. Je ne sais pas là où ta main s'est arrêtée. Mais là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quand tu te crois fort, quand tu te crois capable, tu ne verras pas Dieu agir. Mais lorsque tu te sens faible, la Bible dit, le faible pouvait dire, je suis fort. Le bon pouvait dire, je suis riche. Écoute-moi bien, c'est parce que je n'ai pas de force que je m'appuie sur l'Éternel. Et si je m'appuie sur lui, il renouvelle mes forces. Il renouvelle mes forces. Il renouvelle mes capacités. Alléluia. Qui dit un amen de piège à grave? Amen à quoi faire? Qui me donne un amen de piège à grave? Amen à quoi faire? Viens Mathieu, viens Mathieu. Je vais dire quelque chose. I want to tell you something. Les hommes vous élèveront toujours à la hauteur de leur main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Men. Je veux quelqu'un d'autre. Viens, viens, viens. Somebody. Viens rapidement, j'ai fait une illustration. Regarde-moi, look at me. Regarde-moi. Look at me, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Prends sa main. Hold his hand. Lève sa main. Raise your hand. Lève encore plus haut. Raise more. Lève encore plus haut. More. Lève encore plus haut. More. I cannot. Tu es arrêté? Yeah, I'm stuck. Regardez où les hommes vous laissent. Look at where men can live. Vous regardez? Look at where men can c'est live là que les hommes vous laissent. Is there a man mais qu'est-ce que Dieu fait? What God can do? Là où les hommes vous ont laissé, where men live il vous récupère. Il vous envoie où les hommes ne peuvent pas vous envoyer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je vois Dieu te lever au-delà de tes limites. Celui qui te tient debout me donne une main de pierre. Je vois l'Éternel te lever au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. Il te lèvera. Il me donne une main de pierre. Qui tient une main de fort. Possède ton miracle. Au nom de Jésus. Sakato roboche. Reba basato roboche. La Bible dit. Il nomma les chants. Il called the singers.
Il sélectionna les chants. He selected the singers. Il a sélectionné plusieurs chants. He selected many singers. Et la Bible dit, and the Bible declared, il a remis des ornements sacrés. He put them on a cloth, a garment. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? A garment. Je vais dire quelque chose de fort. Dis un amen. I want to say something powerful. Il a remis des ornements quoi sacrés. En tout ce qui est secret est sacré. What is secret is already here. Comment? Tout ce qui est secret est quoi? What is secret is already here. Et ce qui est sacré est mystère. What is secret? Ce qui est mystère est mis à part. What is et ce qui est mis à part est où est par Dieu? What is c'est pourquoi about? Tu n'es pas énorme. That's why. Qui est normal. Normal. Les gens ne pourront pas te comprendre. Parce que tu es un mystère. À les yeux. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu ce soir. Plus les gens t'attaquent, tu avances. More people attack you, more you plus on te lève contre toi, tu continues de venir à l'église. Plus on te dit que tu ne vas pas réussir, tu continues de jeûner et de prier. Je veux dire à une seule personne ce soir, ne t'attarde pas sur les dits des gens. Parce que les gens veulent que tu les suives, que tu sois comme eux. Mais écoute-moi bien, chacun a sa destinée avec Dieu. Chacun a son temps avec Dieu. Ça peut être le temps de Kwasi, mais le temps de Kwadjo est en train d'arriver. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Quelle que soit l'armée qui se lèvera contre toi, ne sois pas dans la peur. Parce que Dieu a déjà combattu pour toi dans le secret. Et la Bible dit il remit tous ses ornements au chant. Et quand il a fini de donner ça au chant, ils ont commencé. Et la Bible dit au moment de la louange, au moment où les gens chantaient, au moment où les gens étaient en train de louer, l'Éternel était en train de placer des embuscades. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pendant que tu loues le Seigneur, pendant que tu le danses dans le secret, l'Éternel est en train de mettre la chemise des ennemis dans le secret. Il dresse une embuscade. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Peut-être que tu es arrivé ici malade, mais dans ta louange, l'Éternel a pris ta maladie. Il te donne la guérison. Il me donne un amen bien. J'annonce un événement heureux sur ta vie. Au nom de Jésus. La Bible dit au moment. Est-ce que vous avez quelque chose? Do you understand? Vous savez, quand vous êtes en train de danser, when you are dancing, arrivé à certains moments, vous ne vous contrôlez plus. When you reach a moment, you don't control yourself anymore. Même si tu étais dans la tristesse, even when you sorrow, et que c'est une chanson qui a toujours touché ton cœur, lorsque tu commences à fredonner ces chants, when I began to sing, tu commences à danser. You begin to dance. Mais cela t'amène à faire quoi? It bring you à oublier la tristesse, forget your sorrow, à oublier les problèmes autour you de toi. Your problem mais écoute-moi bien. Listen to me. Peut-être que tu as dansé plusieurs danses dans ta vie. Maybe you dance a lot mais of many il y a une seule danse. Il y a une seule chanson. Very one song. Lorsque tu l'écoutes, lorsque tu te mets à danser, au son de la trompette, au son du chalumeau, au son du piano, lorsque tu commences à danser, tu n'es pas seul à danser, tu n'es pas seul à louer. Écoute-moi bien, je vais aggraver quelque chose. Regardez comment le mot louange a été écrit. Louange a écrit comment? Look at praise. O U A N G E N G. Je sais pas. I don't know. Loup. A separate. Et il reste quoi? Ange. Angel. Donc les anges louent. Donc tu n'es pas le seul à louer. Parce que les anges descendent pour louer avec toi. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, Dieu ne descendra pas pour combattre avec vous. Il amènera ses anges qui célébreront l'Éternel avec vous. C'est eux qui mèneront le combat pour vous. C'est eux qui mèneront le combat pour vous. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, j'ai été mandaté afin de vous introduire dans une louange victorieuse. Oubliez vos soucis. Oubliez vos problèmes. Parce que Jésus est la solution. 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 Soyez bénis. Je vous aime au nom de Jésus. Merci. Be blessed. Somebody shout for the Lord. 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 Somebody make a joyful noise for the Lord wherever you are. Wherever you are. Wherever you are. Wherever you are, wherever you are, in the name of the Lord, in the name of the Lord, Lord, we thank you. Lord, we give you.